Air Madagascar bénéficiera d'une seconde recapitalisation. L'opération est une des exigences pour sauver la compagnie des problèmes de mauvaise gestion. À quoi ont servi les fonds injectés en 2012? Une journée sans incident majeur, c'est dans le calme que les bambins ont assisté au premier examen public de leur vie, le certificat d'études au premier cycle. Et enfin, l'aéroport de Tripoli est détruit par les roquettes lancées par les milices islamistes. Le bilan est encore difficile à établir. Au moins 2 militaires auraient été tués, poussant ainsi l'ONU à évacuer son personnel du pays. Avec Philips, entrez dans un monde de rires, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. Cidef, une garantie de qualité. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition en version française sur Cool TV. À la une ce jour, les relations commerciales entre Madagascar et la France ont connu un taux d'augmentation de 6% en 2013 par rapport à l'année 2012. Le secteur textile tient le premier rang dans nos exportations vers la France. Concernant les investissements financiers, la France est classée quatrième, a déclaré le Premier ministre Roger Kühl hier, en marge de la commémoration de la journée d'indépendance de la France. Reportage. 85% des aides publiques au développement octroyées par la France sont allouées au continent africain. Pour Madagascar, cette aide a atteint 73,36 millions de dollars en 2012 contre 89,5 millions de dollars en 2011. Cette réduction est minime par rapport aux aides financières suspendues durant la transition. Pour cette année 2014, la France a alloué une enveloppe de 25 millions de dollars. En marge de la célébration de la fête nationale française, l'ambassadeur de la France, François Goldblatt, a réitéré le soutien de la France aux efforts de Madagascar pour se développer. Bien sûr, nous pouvons apporter notre expertise et nos financements en matière de routes, d'énergie, d'éducation, d'hôpitaux et de protection de l'environnement. Bien sûr, vous pouvez compter sur la France pour être à vos côtés dans l'immense entreprise de redressement qui vous attend. En outre, la France occupe également une grande part dans l'investissement à Madagascar. Le paysage économique et financier de Madagascar reste lui aussi marqué par une présence française à tous les niveaux. Les banques, le secteur de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics, les télécommunications, la grande distribution tout autant de secteurs où la présence française est bien ancrée. Avec plus de 650 entreprises et filiales de groupes français implantés à Madagascar, la France est de loin le pays qui possède une grande diversité de capitaux à Madagascar. Selon les statistiques, 121 entreprises françaises ont été créées en 2013. La France figure néanmoins au second rang après la Chine en termes d'investissement à Madagascar. Durant son allocution, l'ambassadeur de France a insisté sur le redressement économique comme une priorité de la Grande Île. Également dans l'actualité, la compagnie Air Madagascar bénéficiera d'une seconde recapitalisation. L'opération est une des exigences pour sauver la compagnie. Elle est empêchée par des problèmes de mauvaise gestion financière de se développer. Air Madagascar a déjà bénéficié d'une recapitalisation en 2012, mais la compagnie, dans l'état, détient la majorité des actions
continue de traverser des zones de turbulence. À quoi ont servi les fonds injectés en 2012 ? Un économiste avance sous couvert de l'anonymat que la recapitalisation pourrait réussir à condition de toucher à la composition des actionnaires. En clair, affaiblir le monopole étatique. Reportage. 89,56% des actions de la compagnie Air Madagascar appartiennent à l'État. Ainsi, l'État y détient la majorité des actions et garde la haute main sur la gestion d'Air Madagascar. Depuis longtemps, Air Madagascar semble être en situation de faillite permanente et incapable de se redresser. Même le président Era Donajmapian a été victime des retards et annulations de vols qui font que la compagnie d'État traîne à la queue du peloton des compagnies aériennes d'Afrique et du monde. La question se pose sur l'utilisation des fonds de la première recapitalisation effectuée en 2012. Benjamin Ramanantsou, ancien ministre du Transport et désormais ministre du Tourisme, affirme sans hésiter que la recapitalisation de 2012 devrait suffire pour le redressement de la compagnie Air Madagascar. Un économiste précise que le succès de toute recapitalisation repose sur des mesures d'accompagnement, dont le redressement de la gestion budgétaire. Une recapitalisation à travers des prêts bancaires présente des risques. Seule une recapitalisation à travers la vente partielle des actions peut redresser une entreprise comme Air Madagascar. L'économiste Rad Ratoubiarsson explique que ces résultats d'exploitation témoignent de l'urgence du redressement d'Air Madagascar. L'économiste souligne que l'option de participation au niveau des actions doit être révisée. De cette manière, les actionnaires minoritaires et majoritaires peuvent instaurer de nouveaux indicateurs de performance en vue de développement de la compagnie, surtout pour la qualité des services offerts à la clientèle. Interrogé sur le sujet, le Premier ministre Roger Kool ne partage pas cet avis. Il a souligné que les décisions adoptées, entre autres la recapitalisation par l'ancien président du conseil d'administration de l'AirMAD, a toujours sauvé l'entreprise. Le Premier ministre Roger Kool martèle que si la compagnie Air Madagascar a tenu 5 ans durant la transition, c'est surtout grâce aux mesures prises par le président Era Donajmapian lorsqu'il en a été le président du conseil d'administration. Qu'est-ce qui a causé la ruine d'Air Madagascar au cours des 5 dernières années? Le directeur du cabinet de la présidence de la République actuelle est l'avocat d'AirMAD toute cette période. Et l'actuel président de la République, Era Donajmapian, a aussi occupé le poste de président du conseil d'administration. La dernière décision prise par cette compagnie a été de donner un coup de balai dans le conseil d'administration, non d'améliorer la qualité de service et la capacité de la compagnie nationale à affronter la concurrence. La recapitalisation n'a encore pu redresser l'AirMAD. Le parti politique VPM Malagas Mia Ramieng accuse le ministère de l'Intérieur de piétiner les institutions de Madagascar. Le ministre a déclaré hier qu'ils élaboreront des lois régissant les collectivités territoriales décentralisées avant le vote des lois sur les élections communales. Le Premier ministre a déjà annoncé que les élections se tiendront cette année. Mais jusqu'ici, aucune convocation des députés n'a été lancée pour les débats et le vote des lois devant régir les élections communales, alors que le gouvernement insiste sur leur tenue. Le deadline donné par la CENIT concernant ces lois s'achèvera dans 15 jours. La concertation nationale avancée par le ministère de la décentralisation rabaisse l'Assemblée nationale, seule habilitée à voter les lois de la République. Le parti politique VPM Malagas Mia Ramieng affirme que les députés sont inutiles si le ministère entre dans ces détails. Les explications. En ce qui concerne les handicaps actuellement, les handicaps qu'on doit surmonter, moi je pense qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun obstacle, ni aucune motivation, ni aucun motif pour reculer cette échéance. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre en ce moment-là, il faudra aviser l'opinion. Et ça relève purement et simplement d'une volonté délibérée, de retarder encore la crise à Madagascar, la sortie de crise à Madagascar. Alors qu'on est encore en plein dedans, il y en a marre, vraiment. Il y en a vraiment. Et cela dénote, et on interpelle vraiment le président de la République. Où est-ce qu'on va, monsieur le président? D'après les explications données par la CENIT, le délai de 3 mois pour l'appel aux électeurs et la date de l'élection
doit être respecté si le but est de faire une élection reposant sur la transparence. La directrice de la télévision nationale malgache, Nijanjemapian, a déposé hier sa démission. Dans sa lettre, elle déclare que les pressions exercées sur la TVM à cause du changement de régime lui sont insupportables. Elle fonde sa démission sur les dispositions de la clause de conscience telle définie dans l'article 52, alinéa 1c de la loi sur la communication. Et nous continuons toujours. La crise dans les universités de Madagascar semble prendre de l'ampleur. À Majunga, la grève du personnel administratif et technique reprend après la publication d'une feuille de route dressée par le ministère de l'Enseignement supérieur. À Vondvourne, les forces de l'ordre ont dû utiliser des bombes lacrymogènes pour disperser une manifestation d'étudiants. Les polytechniciens revendiquent une pléthore d'avantages. Reportage de Hilda Asnzou. Un étudiant de 4e année en télécommunication à Vondvourne s'est fait arrêter par la force de l'ordre ce matin lors d'une manifestation. Les forces de l'ordre ont dû user de bombes lacrymogènes. Les étudiants demandent que leur bourse d'études soit révisée à la hausse et que les frais de taxi B reliant la capitale au campus à la baisse. Troisième chose, ils exigent la facilitation de l'accès à l'Internet. À plus de 570 km de là, à Majunga, la situation est toujours instable. Les 500 agents administratifs et techniques de l'université continuent leur grève. Ils contestent la feuille de route dressée par le ministère de tutelle. Ils ont l'intention de bloquer la marche des affaires courantes de l'université. Joints au téléphone ce jour, les étudiants affirment le mouvement du PAT s'est relevé un échec. Les cours continuent à Mbunjin. Une journée sans incident majeur, c'est dans le calme que les bambins ont assisté au premier examen public de leur vie, le certificat d'études du premier cycle. Particulièrement chouchouté par les parents, les enfants ont affronté cette journée bien au chaud avec de nouveaux habits. Reportage de Gaëtan Jeslav. Il a fait 9 degrés Celsius aujourd'hui. Les parents ont dû prendre des mesures exceptionnelles pour protéger leurs enfants d'attraper la grippe et les rhumes ce jour du CEPE. Les blousons, les cache-nez et les gants sont de rigueur. C'est donc quasiment blindé que les bambins sont entrés en salle. Certains parents ont préféré attendre leurs enfants devant l'entrée de leur centre d'examen pour les rassurer, mais également pour se rassurer. Dans certains centres, les absences ont été notées. Sur 1000 inscrits, 6% n'ont pas répondu présent aux épreuves au centre de Fenoirive. À Timbazaz, un autre enfant sans convocation et admis en salle a provoqué un crâne collectif. Les autres parents ont accusé le chef de centre de corrompu. Pour le cas d'Ambutumanzak, le vol commis dans le bureau de l'EPP a failli semer la pagaille. Mais l'ordinateur volé a été vite retrouvé. Tout est bien qui finit bien. Renouvellement du parc de transport urbain de la capitale. Les 36 premiers nouveaux bus sont déjà trouvés preneurs avant même d'être débarqués. Il ne reste plus que l'aval de l'État pour leur détaxation. Selon les explications de l'UCTU ou Union des coopératives de transport urbain, tous ces véhicules fraîchement sortis d'usine ont déjà été réservés, mais l'identité des clients est aujourd'hui confidentielle. Et pour cause, une des plus importantes coopératives de transport urbain d'Antananarive est plus que réticente au projet de rajeunissement de la flotte de bus de capitale. Reportage de Michela Ranardson. Ils sont attendus depuis le mois de mai. Les 36 nouveaux bus prévus pour un renouvellement du parc automobile du transport urbain de la capitale ont tout fait l'objet d'une commande ferme avant même d'être débarqués. Si la commune urbaine d'Antananarivo a déjà donné son aval, l'État n'a pas encore annoncé leur détaxation. C'est la première condition de leur livraison. Les responsables de l'UCTU n'ont pas voulu révéler le prix, mais selon nos sources, l'unité tournerait autour de 65 millions d'ariary. Les nouveaux bus débarqueront par série de 36 unités. La ville d'Émile sera la première bénéficiaire de cette première vague. L'importation de ces véhicules
entre dans le cadre de l'amélioration du transport public. Mais certaines coopératives de la ville d'Antananarivo s'insurgent contre leur arrivée. Le président de la coopérative Selach explique que ces voitures ne correspondent pas aux infrastructures dans la ville et qu'elles représenteraient une menace pour leur activité. Le président de la coopérative Selach, Jean-Louis Rakoutnirin, a noté que nombre d'entre eux ont fait des prêts auprès d'institutions de microfinance. Ces nouveaux véhicules les exposent au surendettement et au risque de faillite. Nous ne sommes pas contre l'amélioration du transport public, mais cela doit être basé sur une concertation. Ces bus flambant neufs sont impatiemment attendus. Jusqu'à présent, leur prix est tenu secret, mais le paiement est étalé sur 7 ans. Ils sont dotés de 20 places assises et offrent 20 places en station debout. Ils seront tous utilisés dans la ville d'Antananarivo. Et on passe aux actualités internationales. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, des milices font en effet la loi dans le pays en proie au chaos. Les milices s'affrontent depuis samedi. Des combats ont éclaté dimanche entre groupes armés rivaux pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Et plus tôt dans la journée, la mission de l'ONU a annoncé le retrait temporaire de son personnel de Libye pour des raisons de sécurité. Suivez le reportage de France 24. L'aéroport de la capitale libyenne cible d'une pluie de roquettes dans la nuit de lundi à mardi. Après 3 jours d'affrontement entre groupes armés rivaux, les dégâts sont importants. Avions, tours de contrôle, aérogares, véhicules privés, rien n'a été épargné. Des fusillades à larmes lourdes ont éclaté. Des avions et des véhicules ont été touchés. 2 personnes au moins ont été tuées et beaucoup d'avions de la compagnie libyenne publique et d'autres compagnies ont été touchés. Les douanes aussi ont subi de gros dégâts. Depuis samedi, des milices s'affrontent pour contrôler l'aéroport et étendre leur influence. Face à face, les brigades de la ville de Misrata cherchant à chasser celles de Zenten qui contrôlent ce lieu stratégique depuis 2011 après la chute de Kadhafi. Une situation de chaos tel que l'Organisation des Nations Unies a même décidé d'évacuer son personnel du pays. Impuissant devant ces milices qui font la loi, le gouvernement libyen en appelle à la communauté internationale. Nous sommes maintenant prêts à réclamer une intervention des forces internationales pour rétablir notre capacité à protéger nos citoyens, pour empêcher le chaos et le désordre afin de donner une chance à notre nation de construire ses institutions, en particulier la police et l'armée. À Benghazi, la deuxième ville du pays, de nouvelles violences ont aussi éclaté, faisant craindre une extension du conflit. Pour le moment, aucune des initiatives de dialogue national n'a abouti, pas même celle initiée conjointement par les voisins de la Libye. Et nous allons partir au Brésil pour clore ce journal. La fièvre du football a laissé place au sommet annuel de BRICS, les 5 grands pays émergents. Les dirigeants de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Fortaleza. Une réunion qui se tiendra aujourd'hui et demain dans cette ville du nord-est du Brésil, puis dans la capitale Brasilia, pour leur 6e sommet annuel. Ce sommet de Fortaleza va-t-il ouvrir un nouveau chapitre de la gouvernance économique mondiale? Reportage de France 24. Le 6e sommet des BRICS à Fortaleza au Brésil doit donner naissance à 2 institutions alternatives, à la Banque mondiale et au FMI. Un véritable pied de nez aux voisins américains. Pour les pays des BRICS, mettre en place une banque de développement et un fonds de réserve consolide le statut du groupe BRICS. Cela renforce ses membres et démontre une fois encore l'importance des pays en développement dans la carte économique mondiale. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud participeront à parts égales dans le capital de la banque. Quant à la réserve de change, elle serait principalement alimentée par des fonds chinois. 41 milliards contre 18 pour l'Inde, le Brésil, la Russie et 5 pour l'Afrique du Sud. L'objectif est de donner naissance à un nouvel ordre mondial pour s'émanciper du système actuel trop contraignant dans lequel les BRICS s'estiment sous-représentés. Pour ces pays émergents, les conditions imposées par le FMI sont très lourdes à porter. Ça interfère avec leur système politique et ils veulent être indépendants financièrement. Et chacun y trouve son compte. Un outil d'investissement dans les infrastructures pour l'Inde et le Brésil, quand la Russie y voit plutôt un moyen de contourner les sanctions internationales. La Chine renforce son influence. Premier créancier des États-Unis,
c'est le principal contributeur de ces nouvelles institutions. Le siège de la banque sera d'ailleurs établi à Shanghai. Restez avec nous dans un instant, comme tous les mardis. Suivez l'émission Mode présentée par Gaël Evida sur Cool TV. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programme sur Cool TV.